What's up tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News, d'ailleurs pour une toute petite vidéo informative. Et je vais donc vous parler du jeu Call of Duty Black Ops 2, en tout cas il y a un nouveau DLC apparemment qui s'appellerait Orientation, tu sais comme ils aiment bien faire, mais il y a des petits trucs assez bizarres, alors en tout cas j'ai vu qu'il y a des chaînes déjà communautaires françaises qui ont commencé à en parler, bien sûr comme d'habitude code QG, code CF, normal quoi, parce que c'est du Call of Duty, donc ils ont que ça à mettre aussi, mais surtout, la chose la plus étrange, c'est qu'ils ont, je sais même pas honnêtement, mais ils ont dit comme quoi c'était confirmé, bon pour l'instant c'est pas réellement confirmé, il y a des choses bizarres en plus avec ce nouveau DLC. Oui, c'est très bizarre, je vais vous le dire tout de suite, d'ailleurs, c'est pas vraiment... comment vous dire, c'est pas... Là, je suis en mode... c'est très bizarre, si vous voulez, ce nouveau pack. Bizarre au point que ce soit pas vraiment réel, que ce soit pas un vrai, que ce soit plutôt du fake. Alors, ce pack-là va, bien sûr, énormément ressembler à Revolution, au DLC et Revolution. Et si vous voulez, il y a des choses assez bizarres. Déjà, la première chose assez bizarre, c'est que l'écriture, c'est exactement la même. Il n'y a pas eu un grand changement. Donc bon, ça, on peut se dire, bon, voilà, le gars, c'est une sorte de fuite. C'est très bizarre, les gens. Donc on peut se dire là, bon, ok, c'est la même écriture. D'ailleurs, le même I exactement. Enfin bon, c'est très bizarre. Puis il n'y a pas que ça aussi. Il y a surtout aussi le nom des maps. Les gens, lisez le nom des maps. Il y a une map qui s'appelle Water. Il s'appelle Eau, la map. C'est quand même assez bizarre. Après, si ça aurait été un fake, est-ce que les gens, ils auraient été aussi cons pour appeler une map Water? Appeler une map Eau. Il y a aussi une autre map, elle s'appelle Plane. La map Avion. Enfin, c'est bizarre. Dans les deux cas, en fait, on se retrouve dans une certaine stupidité où on sait plus vraiment. Est-ce que c'est un gars qui a fait du fake pour se foutre la gueule, non? Ou est-ce que c'est un gars, il a voulu faire un fake mais il savait pas quoi donner comme nom et que finalement il s'est dit bah tiens on va appeler Avion. Voilà, voici, voilà, je suis dans la map Avion, je suis dans la map O, bon, ok d'accord. C'est assez bizarre, ou même le jeu, enfin je sais pas si les développeurs, c'est pas possible. Ils peuvent pas appeler des maps comme ça les gens. It's impossible. Alors ce qui est bien aussi, c'est par contre on retrouve une nouvelle arme. Elle ressemble à peu près à la M21, mais par contre c'est vrai qu'elle a une grosse lunette, alors fusil à lunettes, qu'est-ce que ça va être, une sorte de fusil d'assaut, ouais en tout cas elle ressemble beaucoup à la M21, donc bon il y a quand même un peu de plus dedans, mais c'est vrai le nom des maps et aussi d'ailleurs la qualité de l'image, parce que c'est une photo vraiment prise maintenant, on a quand même des bons appareils, voilà c'est comme par hasard, c'est une mauvaise qualité d'image, on voit pas grand chose dessus, c'est assez bizarre et je pense qu'il faut pas tout de suite se dire que ça va être la nouvelle map, nouveau DLC en tout cas. Les gens, si le nouveau DLC, il y a des maps qui s'appellent comme Avion, Eau, tout ça. Ouais, donc c'est très bizarre, au point que ce soit pas réel. Même si ça aurait été pas réel, les gens, ils auraient été aussi cons aussi d'avoir en plus. D'ailleurs, plutôt, il y a eu une autre map hein, qui s'appelle Mobile, je crois, Mobile. Ok. On va aller loin, les gens, on va aller loin avec Call of Duty. D'ailleurs, on m'a posé pas mal de questions, on m'a demandé plutôt, est-ce que tu pourrais nous reproposer du Call of Duty en live, il y en aura un prochainement, en tout cas je voudrais vous parler d'un thème, là j'ai un peu réfléchi dans ma tête, et puis il y a un thème à laquelle je voudrais bien vous parler plutôt, vous dire voilà, pour au lieu de, c'est par rapport, je sais pas, j'arrive plus à parler, c'est par rapport, on va dire, à ma chaîne, tout ce qui va se passer dans mes futures vidéos, etc., et enfin bref, je vous expliquerai ça, donc oui, il y aura bien un live sur Call of Duty Black Ops 2, sans doute, pas sur les nouveaux maps, enfin on verra si ça s'appelle O, laisse tomber, mais voilà, en tout cas merci pour tous les gens, vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait toujours plaisir, suivez ma page Facebook, ça aussi c'est un bon petit truc, comme ça tu peux me suivre à peu près sur Facebook pour savoir quand elles sortiront mes prochaines vidéos ou pour d'autres choses aussi, et puis je vous dis à la prochaine, ciao, peace out.